Hé, que se passe-t-il, les gars? Attendez, non, non, je peux pas le croire, les gars. Non, mais attendez, mais regardez. Mais que se passe-t-il, les gars? Attendez, mais non, non, mais non, non. Mais Sim Spooky se fait kidnapper, je crois. Mais c'était un guet-apens, les gars. C'était un faux rendez-vous amoureux. Mais y'a Spooky, pleure pas, je sais que c'est difficile à accepter, mais ça va s'arranger, t'inquiète pas. Non, c'est faux, tu dis ça juste pour me rassurer, on le retrouvera jamais, si Spooky. Oh non, mais ouais, c'est vrai que ça devient vraiment, vraiment compliqué. Après que Sim Spooky s'est fait kidnapper par les clowns, ça fait maintenant depuis au moins 48 heures qu'il est porté disparu. On aura tout essayé. On fait que de l'appeler sur son téléphone portable, ça répond pas. On s'est même mis à sa recherche à travers tout le quartier. Aucun résultat. Et ouais, Robtek, tu l'as dit, on a vraiment tout essayé et toujours aucune trace de Sim Spooky. Ou alors attends, quoi que Robtek, il y a encore une méthode qu'on n'a pas essayé. Et regarde ce que j'ai commencé à préparer, Robtek. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est des tracts de voix qu'on pourra afficher dans tout le quartier, Robtek, pour essayer de trouver Sim Spooky. Comme ça, si quelqu'un le retrouve, il pourra nous appeler au numéro ci-dessous. Et voilà, peut-être qu'on pourra retrouver Sim Spooky plus rapidement avec cette technique, non? Ouais, 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 bonne idée. Ouais, y'a Spooky, c'est une très 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 bonne idée, ça. On va pouvoir en afficher plein partout dans le quartier. Et ça, ça va peut-être nous aider à retrouver Sim Spooky. On croise les doigts. Et de toute façon, c'est la seule chose qui nous reste à faire. J'espère que ça va fonctionner, cette méthode, hein. Allez, on va tous ensemble déposer des tracts dans tout le quartier, histoire de retrouver Sim Spooky au plus vite. Let's go, let's go. On se dépêche, les gars, pour nous soutenir. En tout cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça c'est très très important. Ça vous permet de ne rater aucune des prochaines vidéos au sujet de la disparition de Sim Spooky. Allez, Robtek, là il faut qu'on se dépêche, on perd pas de temps. J'ai les prospectus, j'ai le scotch. Allez, on y va, on y va, on y va. Et ça y est, les gars, on se retrouve au beau milieu du quartier. Et le but maintenant, c'est d'afficher le plus de Sim Spooky disparu, les gars. Allez, c'est parti. Allez, je pense qu'on peut l'accrocher juste ici. Ouais, ouais, sur l'arbre. Allez, à mon tour, regardez, on en a plein, plein, plein. On va en afficher partout dans le quartier. Regarde là, là il y a un poteau électrique. Viens, viens, viens. Et Spooky, dépêche, dépêche. Allez, hop là. Et voilà. Allez, on croise les doigts. J'espère qu'on va retrouver Sim Spooky avec cette méthode. On continue, il y en a encore plein, plein, plein à afficher. On se dépêche, il y a Spooky, viens. Les gars, on a trouvé un arrêt de bus en plein milieu de l'arrêt de bus comme ça. Allez, les gars, on croise les doigts. J'espère que ça va vraiment, vraiment fonctionner. Alors là, ça y est, les gars, on est épuisés. On a affiché plein de tracts dans le quartier. Et là, je te propose de mettre la dernière optique. Allez, viens, je vais l'accrocher juste ici. Allez, viens par là, viens par là. Voilà, je l'accroche juste ici. Et j'espère que tous ces efforts vont porter ses fruits, les gars, et qu'on finira par retrouver Sim Spooky, parce que là franchement j'en peux plus. Allez, je te propose qu'on rentre à la maison, Robtek, hein. Allez, viens, 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 viens. A few moments later. Hey, Robtek, Robtek, hey, regarde, il fait déjà nuit dehors. Hey, je crois qu'en fait les tracts qu'on a disposés dans la rue tout à l'heure ne servent complètement à rien. Maintenant qu'il fait nuit, c'est foutu d'avance. On a de moins en moins de chances de recevoir un appel au sujet de Sim Spooky et de le retrouver. Franchement, là je crois que c'est mort pour aujourd'hui encore. Ah bah ouais, t'as pas tort, y'a Spooky. Maintenant qu'il fait nuit, ça va être difficile. Ça va être difficile. Écoute, y'a Spooky, on peut encore avoir un petit peu d'espoir. Essaye d'y croire juste un tout petit peu, y'a Spooky, on sait jamais. Non, désolé là. Peut-être que je t'avoue que là j'y crois plus du tout. Attends, attends, chut, chut, Spooky. Hey, c'est ton téléphone ou mon téléphone qui sonne là, hein? Eh hey, non, c'est ton téléphone, Robtek. Dépêche-toi, dépêche-toi, c'est peut-être un appel pour Sim Spooky, dépêche-toi. Ouais, 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 c'est vrai ça. Attends, attends, ouais, ouais, c'est. Ah ouais. Regarde, j'ai un appel d'un numéro masqué. Attends, je veux voir, je veux voir. Hey, donne-moi ton téléphone. Eh, hey, Rob, je réponds ou pas? Vas-y, réponds, 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 on va voir. Allô, allô? Allô? Je parle au nom de l'organisation des clowns kidnappeurs. Si vous voulez qu'on relâche Sim Spooky, vous devez payer une rançon de 100 000 $ dès ce soir. C'est votre seule et unique chance de retrouver votre ami Sim Spooky. Je répète, si vous voulez retrouver votre ami sain et sauf, apportez-moi 100 000 $ en attends, cash. Non, 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 attendez, on peut, je pense, trouver une autre solution, non? Y'a Spooky, t'es d'accord? Oui, oui, on peut trouver une autre solution, non? On se donne rendez-vous au quartier sous les ponts. Je vous attends. Apportez-moi la rançon de 100 000 $. Raccroche, y'a Spooky, raccroche, Spooky, raccroche, raccroche. C'est bon, j'ai raccroché. Non mais Robtek, là je crois que j'ai mal entendu là. Il nous demande une rançon pour récupérer Sim Spooky, une somme de 100 000 $. Mais oui, c'est ça, c'était les clowns. Il demande une rançon de 100 000 $. Mais attends Robtek, 100 000 $, c'est au moins une valise comme ça remplie. On trouvera jamais cette somme là. Ouais, compliqué, compliqué. Ou alors attends, y'a Spooky, j'ai une idée moi. Pourquoi pas essayer d'imprimer des faux billets? Des faux billets? Hein, quoi? Mais c'est une super bonne idée ça, Robtek. En plus on a l'imprimante.
plantes là. Eh, hey, Robtek, viens par là, viens par là. Allez, on va imprimer plein de faux billets. Allez, viens par là, viens par là. Allez, Robtek, je m'occupe de tout. On va imprimer plein de faux billets. On va pouvoir retrouver Sinfuki. Regarde, on a cette l'imprimante. Allez, c'est parti. Je suis sur Google. Je vais taper faux billets. Ça y est, il y a plein de faux billets. Hey, ouais, 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 regarde. Attends, attends, 10 euros, 50 euros, 100 euros. Hop, je lance l'imprimante. Eh, hey, j'espère que grâce à cette technique, on va pouvoir devenir milliardaire, Robtek. Eh, hey, regarde, regarde, ça arrive, ça arrive. Hey, regarde le résultat. Eh, hey, je pense que les clowns vont y voir que du feu avec ces faux billets. Franchement, ça a l'air des vrais là, Robtek, non? Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Laisse-moi examiner. Ouais, 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 ça ressemble vraiment, les gars. Eh, hey, Yaspooky, continue à imprimer plein, 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 plein de billets comme ça. Il faut un total de 100 000 dollars. Eh, hey, mais t'inquiète pas, la Robtek, je suis aux commandes. Je suis en train de tout imprimer là. Hey, alors maintenant, regarde, Robtek, il faut bien que je découpe parce qu'on va pas pouvoir donner les billets comme ça. C'est trop cramé là. Et hop, 2-3 coups de ciseaux et le tour est joué. Eh, hey, regarde-moi ça, Robtek. Regarde-moi tout ça, Robtek, je suis riche. Regarde, ça y est, tout est prêt. Regarde-moi cette mallette, Robtek. Regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors maintenant, les gars, avec cette mallette et cette somme contenant 100 000 dollars, on espère délivrer Sinfuki, les gars. Eh ouais, ouais, là, il y a moyen. Il y a franchement moyen que ça passe. De toute façon, les clowns sont souvent réputés un peu bêtes. Donc, je pense que ça va passer facile. Allez, bah, tu sais quoi, on va se dépêcher. Allez, allons-y. Et je me munis de la mallette. Et allez, on peut y aller, la Robtek. Hein. Allez, on y est en route, les gars. Et on va tenter d'arnaquer les clowns. Non, franchement, je suis content parce que je me dis quand même qu'on a probablement une chance de délivrer Sinfuki de cet enfer. Hey Robtek là, donne-moi cette mallette là. Hey les clowns, ce soir on va se les faire et on va délivrer Sinfuki, ok? Ouais, 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 vas-y, bah let's go hein. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Allez, ça y est les gars, on y est, on approche. Et là, il faut que vous sachiez que ça se situe dans le quartier, donc c'est pas très 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 loin. Et ouais, si je me trompe pas, c'est en dessous des ponts en fait. Oh non, non, Sinfuki, non, non, c'est pas forcément en dessous des ponts, mais c'est à côté. Tu vas voir, viens, 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 suis-moi, dépêche-toi. Oh, okay, okay. On est tout prêt, les gars, on est tout prêt. Ça va, Sinfuki, tu te sens prêt ou pas? Ah bah ouais, franchement, je me sens prêt, mais j'ai juste un peu peur des clowns, tu vois. Enfin, c'est oh, ça va, faut pas avoir peur. De toute façon, on n'a rien à perdre. C'est la seule occasion qu'on peut avoir pour délivrer Sinfuki. Alors, attends, chut, c'est quoi ça? C'est ton téléphone ça? Non, 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 c'est pas mon téléphone, c'est ton téléphone, Robtek. Ah bah attends, bah, laisse-moi vérifier, laisse-moi juste vérifier. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, numéro masqué. Eh, je crois que c'est le numéro de tout à l'heure, je crois que c'est le numéro du clown. Ouais, il appelle toujours en numéro masqué. Tiens, tiens, Sinfuki, répond. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, 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 réponds, réponds, réponds. Allô? Allô, j'attends la rançon, dépêchez-vous. Oui, 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 non, mais vous inquiétez pas, on arrive dans moins d'une minute en fait là, hein. Eh ouais, ouais, on est en route, on arrive dans, allez, une minute. Dans une minute, on est. Oh bah il a raccroché. Ok, j'étais en train de lui dire qu'on arrivait mais il a carrément raccroché. Yaspooky, on perd pas de temps, on se dépêche les gars, on est tout prêt. Je crois que c'est en dessous des ponts. Non, 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 c'est pas en dessous des ponts, c'est juste à côté des ponts. Faut pas que je me trompe. Yaspooky, je crois qu'on y est, je crois qu'on est arrivé là, non? Oui, 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 je crois que c'est par là. Quoique, non, 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 c'est par ici, c'est par ici en fait. Viens par là, viens par là, viens par là, j'ai entendu du bruit par ici. Eh, viens, viens, viens. Sérieux? Ouais, ouais, ouais. Vas-y, je te suis, vas-y. Écoute, écoute, regarde, regarde. Quoi, quoi? Regarde. Aidez-moi, les gars. Oh, les gars. Est-ce que vous avez la rançon? Vous avez la rançon ou pas? Mais t'inquiète pas, Sinfuki, on a tout ce qu'il faut. Eh, hey, le clown là, eh, hey, stop, 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 hein. Eh, hey, tu vas te calmer parce que là j'ai la rançon, tu vas pouvoir nous rendre Sinfuki, ok? Ok, ok, alors écoutez-moi bien. Pour valider la transaction, il me faut d'abord la mallette. Donnez-moi ça. Attends, non, 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 non. Hey, le clown, faut d'abord que tu nous assures que tu vas d'abord délivrer Sinfuki, ok? Non, c'est moi qui décide. D'abord la mallette. Eh, hey, non, 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 ça va pas se passer comme ça. Si. Non, 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 on va se faire piéger, on va se faire arnaquer. Eh, hey, toi, 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 le clown là. Eh, hey, tu vas d'abord nous donner Sinfuki et ensuite on te donne la mallette. C'est nous qui décidons, ok? Non, c'est hors de question. D'abord la mallette. Les gars, faut lui donner la mallette. Regardez, je suis enchaîné, sinon il va jamais me délivrer. Ok, bah, bah, tiens, 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 tiens. Oh. Eh, hey, tu nous délivres Sinfuki, ok? Attendez, attendez, je regarde si c'est des vrais billets ou pas. Ouais, 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 tu peux regarder, vas-y, c'est des vrais billets, hein, t'inquiète pas, hein. Eh, hey, ça craint, là, j'espère qu'il va pas cramer, hein. Ouais, là, je suis stressé, il est vraiment en train de vérifier si c'est des vrais billets, Sinfuki. On fait quoi, on fait comment, là? Parce que là, c'est foutu, je crois. Mais t'inquiète pas, Robtek, stresse pas, tout va bien se passer, t'inquiète. Il vérifie vraiment. Mais, les gars. C'est des faux billets ça? Non, non, c'est des vrais billets, c'est des vrais billets. Non, non, mais c'est des vrais billets, monsieur le clown. Et nous, on donne de la vraie argent, hein. Non, c'est des faux billets ça. Non, quoi non, ça? Arrête, arrête, clown. C'est quoi ça? Mais clown, calme-toi. C'est quoi? Non, mais qu'est-ce que vous avez foutu, les gars? Il va jamais me délivrer. Faut faire quelque chose au plus vite là. Robtek, Robtek, on est cramé là. Il faut utiliser la manière forte, ok? Ouais, ouais, t'as raison. On va être obligé d'utiliser le plan B là. T'inquiète pas. Hey, je vais pousser le clown et toi, tu récupères Sinfuki et ensuite on s'en va tous les trois, ok? Eh, hey, le clown. Eh, hey, t'inquiète pas, c'est des vrais billets, hein. Allez, pointe là, toi. On s'en va, on s'en va. Non, 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 non. Viens, vite, derrière, vite, vite. Non, 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 non. Oh, non.
Bon, les gars, faut qu'on se cache. Ouais, les gars, on a tout juste le temps de se cacher derrière une voiture. Et regardez, les gars, je suis attaché à une énorme chaîne. Par contre, j'ai du mal à courir, hein. Les gars, chute, faites pas trop de bruit, Sim Spooky. Fais pas trop de bruit avec ta chaîne. Je crois que le clown, il s'approche. Et ouais, il s'approche de la voiture. Regarde, il chute. Oh là, il est tout prêt, les gars, Et je crois qu'on l'a échappé belle, les gars. Ouais, je crois qu'on a réussi à échapper au clown. Et par contre, là, faut vite qu'on rentre à la maison, les gars, j'en peux plus. J'ai pas mangé depuis des jours et tout. Hey, mais stop. Le problème, c'est que Sim Spooky est attaché à une énorme chaîne. Comment est-ce qu'on va faire? Ouais, regarde, j'ai une énorme chaîne attachée jusqu'au pied, mec. Bon bah ça y est, enfin les gars, je rentre à la maison, j'en pouvais plus. Il m'avait séquestré pendant des jours et des jours. J'avais même pas à boire, j'avais très peu à manger, les gars. Et ramenez-moi de l'eau, j'ai trop soif. Ah bah t'inquiète pas Sim Spooky, on va bien s'occuper de toi. Mais tout d'abord, je pense qu'il faudrait te détacher de cette énorme chaîne. Regarde-moi ça. Attends, mais il faut détacher ça, regarde, il y avait même des menottes. Je m'en occupe, attends. Vas-y, essaie de détacher ça. C'est trop facile, j'ai déjà délivré Sim Spooky. Oh, merci à Spooky, j'ai la jambe toute légère, ça fait du bien. Allez, un bon petit verre d'eau pour Sim Spooky. Allez, bois-moi ça, Sim Spooky, ça va faire du bien. Ah là là, ça se voit qu'il a pas bu pendant des jours et des jours. Bon, en tout cas, là, faut le dire, c'est un grand soulagement. On a enfin libéré Sim Spooky de cet enfer. Hey, attendez, stop, les gars. En parlant des clowns, regardez ce qu'ils m'ont accroché, là. C'est quoi? Regarde, ça fait mal, c'est comme un traceur. Je sais pas ce que c'est. Hey, attends, je vais te retirer ça. Vas-y, retire ça. Aïe. Attends Rob, je crois bien que c'est un traceur. Et en gros avec ça ils ont pu géolocaliser Sim Spooky. Ouais non c'est une blague, ça veut dire qu'ils savent où on habite maintenant, c'est ça? Ah bah ouais du coup ça c'est sûr et certain. Oh non ils vont nous retrouver, non les gars, non pas ça. T'inquiète pas, t'affole pas, j'ai une idée. On va boucler toute la maison, ok? En un temps record, dépêchez-vous. Ouais allez les gars, dépêchez-vous, on monte à l'étage, allez, on boucle tout, on ferme tout. Mais stop les gars. Ça a sonné à la maison. Ça a sonné. J'ai peur, je le sens pas. Moi je le sens pas du tout là hein. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont là, ils sont devant la maison là, c'est sûr et certain. Oh non les gars, ils vont me retrouver, non faut surtout pas ouvrir. Ils vont de nouveau me remettre dans le trou noir. Non. Pourquoi? Attends, mais quel trou noir Sim Spooky? De quoi tu parles? Bah ils m'ont mis dans un trou noir, je t'épargne les détails Robtek. Oh non, Sim Spooky il a vraiment dû souffrir. Mais attends, mais on fait comment du coup là? Je te propose qu'on fasse comme si de rien n'était et qu'on ouvre pas la porte. Mais en attendant, on peut essayer de les espionner par la fenêtre là. Viens par ici. Vas-y, ouvre la fenêtre. Robtek, j'ouvre la fenêtre, mais faut pas faire de bruit, hein, ok? Vas-y, t'inquiète pas, ouvre la fenêtre, vas-y. Arrêtez tout, refermez cette fenêtre, ils vont me retrouver sinon. Arrêtez. Eh, chut, taisez vous, ils sont devant la porte là. Eh, regarde-moi ça. Non, il y a trois clowns. Regardez-moi ça, il y a trois clowns. Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh non. Regardez ça. Je pense qu'ils demandent à entrer. Ben ouais, vous avez vu, ils ont toqué violemment à la porte. Chut, regardez ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh non. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des coups de pied dans la porte, regardez. Les gars, ils essaient carrément de casser la porte. C'est des malades, c'est des clowns complètement fous. Eh, c'est dangereux, là, c'est franchement dangereux, là. Eh ouais, ils sont nombreux. Eh, je propose qu'on referme la fenêtre, là. Eh les gars, je suis mort de peur, là. Faites quelque chose, j'en peux plus, là. Déstresse, Sim Spooky, il va rien se passer. De toute façon, on prévoit de ne surtout pas ouvrir la porte. T'inquiète pas. Ça va. Non, mais désolé, les gars, moi, je suis carrément traumatisé des clowns, là, maintenant. Ouais, non, mais c'est normal, il s'est quand même fait kidnapper par des clowns et il a vécu un traumatisme. C'est ça qu'il faut se dire, les gars. Bon, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que Sim Spooky a maintenant besoin de beaucoup de repos. Et je pense qu'il a besoin de tout votre soutien. Alors n'hésitez pas à mettre plein de likes sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. En tout cas, vous inquiétez pas les gars, on va bien prendre soin de Sim Spooky dans les prochains jours. Et je pense qu'il devrait bien être rétabli hein. Ouais, un maximum de cœur en dessous de cette vidéo, je compte sur vous hein. Oui, je pense que t'en as bien besoin Sim Spooky hein. Bon, on compte sur vous, mettez plein de cœur dans les commentaires, ça lui fera très plaisir. Et puis sur ce, on peut dire encore et toujours qu'on a enfin délivré Sim Spooky. Et ça c'est une victoire. Allez, on se laisse sur cette bonne nouvelle, on vous fait plein de gros bisous. Et on se retrouve très prochainement. Allez, ciao.